Oh, hein? C'est aujourd'hui que je me rends compte que je suis intelligent. Voilà que j'ai donné mon argent au grand frère Kébé pour garder. Aujourd'hui que je suis serré, je me mets chez lui et il va me donner l'argent. Attends, je vais l'appeler pour lui dire que j'arrive. C'est moi qui ai appelé la dernière fois. Je voulais vous rencontrer. Bon, le but c'est juste changer votre vie. Ok? Parce que vous voyez ici, c'est pas un cadre qui vous convient. J'ai envie de vous loger dans un quartier résidentiel, un quartier bien reposant, avec une voiture pour vos courses, puis un chauffeur bien sûr. À cela, je vais ajouter pourquoi pas l'ouverture d'un compte bancaire bien fourni. Ok? Vraiment, c'est juste pour ça que je suis venu. Excusez-moi. Non, décrochez. Non, écoute. Mais quand... on vous appelle, non? Non, non, non. Dans le cadre du savoir-vivre, quand on est en face d'une belle femme comme vous, on ne répond pas à un appel téléphonique. Ça peut attendre. Est-ce que vous voyez? Alors, donc. Aïe. Aïe, il a coupé. Vraiment, je suis venu pour, vous sauver en quelque sorte. Hein? Oh. Décrochez pas. Non, non, c'est mais pas on grave. Mais on insiste, décrochez. Mais pourquoi il coupe même? Oh, vraiment, bon. Oui, oui, allô? Oui, c'est qui là? Oui, allô? Oui, grand frère Kébé. C'est pas mon père. Ah, pas mon père. Oui, oui. Voilà, je viens chez toi comme ça. Bon, comme j'ai un petit problème là, donc je viens prendre un peu d'argent. Oui, là, c'est que je dois pour garder là. Oui, aujourd'hui, je suis un peu serré quoi, donc je vais prendre un peu. Oui, oui. Oh non, là, 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 je ne suis pas à Abidjan, je suis en voyage. Hein? Tu n'es pas là? Oui, mais donc tu viens quand? Oui, oui, pour l'argent là, non? Non, mais c'est pas possible. Je reviens dans un mois. Dans un mois? Ah! Oui, mais non, on fait comment? Dans un mois. Oui, je comprends, mec. Je ne suis pas là. Tu reviens pas maintenant là? Qui? Oui, mais donc on va faire comment? Je suis serré, j'ai besoin de ça aujourd'hui là même. Non, écoute, ouais, je te comprends. C'est pour l'argent là, oui, oui, ça je comprends. Mais je suis désolé, je suis pas en place. Je reviens dans un mois. Oui, oui. Bon, d'accord, ok, ouais. Bon, bon, d'accord. Oh, j'ai besoin de cet argent là. Oh. Oh. C'est toujours comme ça, bon. Eh hey, monsieur, oui. C'est bon, c'est bon. Ça va? Non, 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 ça va, c'est bon. Vous n'êtes pas à Abidjan. Non, je suis à Abidjan ici. Non, 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 c'est bon. Attends, c'est à moi qui ai fait mon nez comme ça là? D'accord, c'est bon. Une de perdue, mille de gagnée. À moi tu vas faire ça? C'est pour toi qui est grave. Non, tu ne veux pas me faire ça? Hein? Je viens de t'appeler, tu me dis que tu es en voyage. Oh, tu es là. Attends, tu dis quoi même? J'ai dit, bon, l'argent que je te donne pour garder là, comme aujourd'hui je suis serré, donc il faut me donner un peu. Je vais aller régler mon problème. Ça cause ça. Attends, tu dis quoi même? Tout à l'heure quand on s'appelait là, tu parlais normalement non? Il dit regarde, mon argent là. Je ne passe pas. Il garde mon argent. Maintenant, je suis venu. Alors, tu vas me donner un peu de mon argent là. Il est là, je comprends rien. Quel argent? Ton salaire? Quand on me paye là, mon argent là, je lui donne, il garde.
Mais aujourd'hui, j'ai un problème, je suis venu le voir, dans mon argent, il est là, dadbi. Ah, mais est-ce que pour encaisser ton argent avec quelqu'un, tu as besoin de crier comme ça? Oh, c'est pas lui qui fait. C'est simple. Tu l'expliques, attends, regarde, suis bien. Tu l'expliques simplement, il va te comprendre. C'est qu'on est dans un pays de dialogue. D'accord, il faut m'aider. Grand frère, lui là, il dit qu'il travaille. À la fin du mois, on lui donne un salaire. Voilà. Ce salaire-là, il prend tout, il vient te donner de garder. Voilà. Chaque fin du mois, c'est comme ça. Il prend l'argent, son salaire, il vient te donner. Toi, prendre, tu gardes. Faut pas manger. Maintenant, aujourd'hui, là, il est serré. Il a des problèmes, beaucoup de problèmes. Hmm. Donc, il veut que tu lui remettes cet argent-là. Voilà. C'est tout. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve là même. Et c'est comme ça, il parle d'habitude. Non. Moi, je connais cette habitude. Tu sais ce qu'on va faire? Ça là, si j'étais à ta place, à l'heure là, je l'emmène à la police. Mais c'est ce que je vais faire, c'est tout. Laisse-moi, je vais te taper. J'ai ton argent. Non, t'as vu, il parle. C'est quoi, il même parle hein? Maintenant. C'est le plus d'Adibi. Moi, je savais pas qu'il parle. C'est comme ça, tu es. Bon, ok, mon ami, donne mon argent. Quel argent même? L'argent que je te donne pour garder là. C'est fini. Hein? Tu as dépensé mon argent? Je n'ai pas dépensé ton argent. C'est comme les caisses de l'État. Quand on dit les caisses sont vides, est-ce que tu as déjà vu les caisses là? Attends, donc tu as bouffé mon argent après vraiment. Je n'ai pas bouffé ton argent est fini. Voilà, c'est ce qu'on parle là. Toi aussi, regarde, quand même. Il y a des banques. Quand ton argent dans une banque, tu prends pour le négatif. Moi-même là. Viens le vide et déjà il part. Voilà. Moi-même, c'est dans la banque qui regarde mon argent. Et puis tu m'as blagué de te donner pour moi là. J'ai dit, mon ami, ce que tu as dit là, on va faire ça. Tout, on va la mettre à la police. Quoi ça? Non, attends, on peut arranger. On n'a rien. Si je trouve l'argent, je vais te payer. Non.